Alors j'espère aussi que j'aurai ma voix jusqu'au bout. Non mais ça fait partie du spectacle. Famille attablée dans le salon pour l'un de ces interminables repas, ou banquets, ou orgies, où ripaille serait plus appropriée, considérant la durée du rituel et la quantité considérable de nourriture proposée, donnée traditionnellement à l'occasion de la fête du village. Quand on est parti, je t'ai dit, quand je verrai l'auteur, je vais lui dire que, franchement, il n'est pas cool pour toi, parce que alors, c'est un boulot. De lire un livre qui n'a plus de 1000 phrases, c'est... Voilà. Les corps sont à présent et pour toujours séparés comme deux pierres extraites du même lit et expédiés vers des destinations opposées. Maintenant que nous ne respirons plus le même air et que plus jamais nos lèvres ne pourront boire à la même source, pourquoi prendre ainsi le risque de raviver d'anciennes plaies à peine cicatrisées et qui menacent à tout instant de se rouvrir? Tant de fureur et de passion, tant de larmes versées et de cris proférés, tant de dévouement. Ça va, il n'y a pas trop de crampes? Mais finalement, le dernier extrait explique le livre. Dérouté par un afflux de pensées confuses, d'émotions, de sensations, non pas repoussant mais refusant d'admettre ce brusque assaut qui se voudrait tendre, mais plutôt brutalité contenue, vol à la tire, rapte, vigoureuse offensive. Merci. Répétant avec conviction et aussi un peu de fierté dans la voix. Toi qui as de l'instruction et qui as fait des études, t'aurais pu écrire un roman rien qu'en racontant ma vie. C'était méticuleuse dans les replis, oui, se levant, pétrissant, s'agitant comme à l'accoutumée, palpant leur matière à la fois place, élastique des fleurs, pinçant légèrement la pointe des tétons qui se durcissent au contact de ses doigts. La fille saisissant le monde. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas...
On est chez qui? On allume un petit feu. J'ai un cadeau. La sorcière. Donc on y va alors. Vous m'entendez? Oui. Alors. Je vais finir par éternuer. Regarde en l'air. C'est pas moi. Vous êtes un groupe très turbulent. Mais non. Les autres étaient vachement plus calmes. On peut fatiguer. Bon, on va s'y mettre. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. Un, deux, trois. Pénétrons dans la maison par un garage à dimension démesurée, conçu pour accueillir au moins deux ou trois personnes. C'était juste pour voir si vous suivez. C'est la chasse. Ils ont pas fait. On est chez les chasseurs. Tas de lichens sur mer, leur corpulence imposante, leurs têtes monolithiques et primitives, dégageant une chaleur animale et musquée, buvant une mauvaise piquette dans des verres épais maculés de calcaire qu'ils posent sur la table à côté des dépouilles sanglantes du gibier, autour desquelles déjà s'affairent en bourdonnant de grosses mouches aux reflets verts et dorés, et dont l'odeur âcre, lourde, sauvage, brutale, heurte les narines, faisant claquer leur langue épaisse sur le palais après une longue lampée. Les chiens de chasse trempés. Telle une charge électrique dans un générateur. Implacable travail d'oubli. Des sphères lointaines qui poursuivent leur course dans l'univers tourbillonnant. Les derniers coups de pelle des fossoyeurs précédant finir avec leur cordée. L'obscurité du crépuscule qui s'étend sur le monde et s'empare de la fragile menotte du garçon perdu dans celle de la jeune. Cache-cache dans la chaleur moite, écrasante, suffocante et impitoyable de cet après-midi d'été. Les deux gamins disparaissant en étalant derrière le tas de fumier situé au coin de la grange, à proximité du chai, pendant qu'un troisième entraîne la fille vers le grenier à foin, au-dessus de l'écurie, la laissant passer devant lui pour grimper à la grossière échelle de bois, en profitant pour glisser subrepticement une main tremblante sous sa robe légère aux motifs fleuris, étant encore masquée par un soulier. 11, 12, 13, 14, et toujours la même alternance horizontale, noir, puis blanc, puis de nouveau. Merci. Merci. Thank you.